Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Mise au Point. Mise au Point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au Point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point. Merci en pile parce qu'on suivre Télévision Nationale d'Haïti. Dans le sens, nous comptons avec vous pour l'autre numéro Mise au Point. Invité de matin, c'est député Kinskoff, Maître Alfredo Antoine Junior, avec lui pour commenter l'actualité. Hein, week-end, ça a été gagné fermeture caravane, depuis le redéploiement caravane pour le sud. Il est officiellement dans le sud pays, dans le grand sud. C'était samedi soir. Et puis, il y a le gouvernement qui respectait et sa constitution dit qu'il a déposé le projet de loi de financement vendredi 30 juin. Hein, il remet le bureau à le président, chambre députée, hein, Charles de Chancy, promettre pour lui inviter un député pour capable de venir exposer les motifs. Et puis là, pour la commission de travail, présenter le rapport pour que, et dans un mois que vous gagnez, pour faire travailler et puis transférer le Sénat pour que d'ici 1er octobre, nous gagnions un budget en bonne et due forme. Voilà, c'est quelques points que nous allons aborder avec le député Kinskoff-là, et sans oublier, pour nous regarder comment la circonscription parlait. Hôtel, dans le moment, n'a pas là. Maître Alfredo Antoine Junior, son plaisir pour nous recevoir matin. Bonjour, M. Serge Lindor, et bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices TNH, et surtout téléspectateurs qui suivent l'émission Mise au Point. C'est un plaisir pour que moi réponde avec questions matin, et m'a profité saluer surtout mon Kinskoff qui suivent l'émission ça religieusement, qui suivent les chaque matin. Parfait, on allait donc, comment Kinskoff pote-t-il? Comment Kinskoff pote-t-il? Moi, je suis capable de dire que ce n'est pas différent comme tout pays. Hein, voyez? Donc, on a un problème économique qui vient un peu partout dans le pays. Hein, c'est toujours le même problème ça, que Kinskoff. C'est vrai, Kinskoff, mon yo, vive de l'agriculture, mais à force que l'État central a toujours vini en retard dans la question pour tes aides bio, dans l'intrant agricole, distribution de semences, tout ça. Et question des règlements climatiques, là, la pluie qui n'est pas tombée à temps parce que son culture pluviale que nous gagnons, malheureusement pour nous. Et c'est un côté qui recevoit entre 1800 à 2200 mm de pluie, mais pas gain au moyen vraiment par une politique qui fait de retention d'eau dans la saison sécheresse que l'agriculteur est capable d'utiliser. Ça vient fait que c'est une agriculture, nous capable dire, archaïque et à l'état rudimentaire que les paysans ont toujours à travailler la terre, voyez. Donc ça, c'est la principale source de revenus et paysans, et habitants. Donc les qu'ils ont perdu en saison, en récolte, donc, ça a apporté de gros fardeaux pour eux, dans la famille, dans le foyer, dans le ménage. Parce que c'est à partir de l'agriculture que vous payez, éducation petite, que vous prenez soin de la famille. Puisque c'est député de circonscription, est-ce que vous portez parole ça dans le plus haut niveau de l'État pour que vous gagniez des solutions qui portent à un problème là? Oui, nous faisons plusieurs rencontres, et des fois en aparté avec ministre agriculture. Et les deux ministres qui passaient sous madame, non, déjà, parce que le premier ministre, le ministre de l'Agriculture, M. Agronome Loa, qui était là, et actuellement, il y a Agronome Belia, qui est là comme ministre, nous toujours rencontrés, parce que Kinskoff vive de l'agriculture, son secteur qui portait ma cœur, donc nous toujours rentrés pour parler avec eux, et pour montrer le problème que l'agriculture a gagné dans Kinskoff. Et comment, quelle solution pour apporter? Nous avons toujours fait des interventions au niveau budget tout, pour que vous mettez, parce que c'est bataille pas annoncée dans le budget, mettez ouais, Kinskoff inscrit dans le budget national, là, dans la question agriculture, éducation et tout. Tout l'autre secteur d'activité qui doit développer la commune. Là. Donc nous avons toujours rencontré avec autorité compétente au niveau ministère de l'Agriculture. Vraiment pour venir en aide à la population. Ça. La budget 17-18 a été déposé officiellement. J'ai en constitution à descendre, à député Alfredo Antoine. Et là, il y a une bataille où on commence à le mener là pour que Kinskoff gagne un parti partout. Dans ce genre-là, j'ai le dépenser.
Alors, c'est une bataille qui fait avant même que le budget a déposé, que il y a de lignes budgétaires vraiment Keskov inscrit au niveau ministère de l'Agriculture. Moi, sûr et certain qu'il y a une ligne qui pour question pour venir en support avec culture maraîchère là, qui c'est culture de légumes que qui pourra porter de semences et question entrant en termes de engrais, tout ça pour aller des paysans yo, li nan budget ça, li inséré et gagnent et au niveau ministère de l'Éducation nationale, Keskov c'est seul et commune dans zone métropolitaine qui pa gagnent un lycée national. Donc dans budget ça, nous te dit condition pour nous participer, pour nous voter au budget pareil, faut que Keskov inscrit dans budget, que Keskov a bien lycée a qui la donne en 17-18, donc c'est une très bonne nouvelle pour la communauté. Alors, en parlant de budget, l'on attend des précisions ministre en bas et président chambre député, hein, c'est agriculture, éducation, travaux publics, c'est eux qui t'as semblé... Environnement qui t'as semblé jouer une plus gros parti, plus gros morceau dans le budget. Mais depuis quelques temps, agriculture, éducation, travaux publics toujours et gagner place ça. Ou quoi que c'est son bon choix pour que ces priorités ça nous décide de choisir une fois encore. Moi pour que ces secteurs ça vraiment prioriser, mais est-ce que c'est pas première fois que ça fait? Moi tout à fait d'accord avec. Mais est-ce que il y a contrôle qui fait vraiment de exécution budget que l'inscrit dans le budget, mais est-ce que vraiment il est arrivé et joint fonds pour exécution projet ça de travaux à haute intensité de main d'œuvre qui gagne de travaux d'infrastructure vraiment qui toujours inscrit, mais est-ce que ça qu'on arrive parce que pas oublier que budget son prévision que lié donc l'état qu'on fait de prévision que qu'on est que recette l'état ou bien recette interne ou externe à privé et des fois qu'on va arriver et ça vient faire que même rubrique ça même ligne budgétaire ça obligé reconduit sur plusieurs année fiscale, vous voyez. Donc c'est ouais, est-ce que c'est joint, est-ce que ressources ça vraiment privé et rentrer à travers de DGI, la douane et ensuite recettes et alors aide externe, est-ce que de promesses que surtout communauté internationale a toujours faite que ne pas compter sur eux, donc malheureusement toujours inscrit dans le budget, donc voyez, donc pas rien qui dit que ce secteur ça a vraiment que le gouvernement a priorisé à privé respecter le connaît que nous pas gagner toute l'attitude vraiment que budget privé respecter exécuter à la lettre parce que nous dépendons de une bonne partie de budget qui dépend de aide externe. Parfait. Pendant que je parle de priorité, monsieur le ministre a dit que pour le travail public ça faut choisir c'est le regard de l'état route nous vraiment c'est une situation plutôt difficile. Mais depuis j'aime d'abord depuis quelque temps, nous choisissons la public, nous faisons route. Mais chaque fois que nous faisons route, nous mettons comme tout pour nous faire entretien route nous. En plus la route que nous faisons pendant dernier temps ça, hier on était sur route avec un fois, on regarde des situations où ça pas fait trop longtemps. Alors là, est-ce que tout c'est les parmi tout nos espèces de gaspillage? Est-ce que nous mettons là pour nous faire route, mais pas d'entretien fait et au final même route nous faisons après entretien au casé. Ça, moi-même d'accord avec un aspect ça. Et là, parlement a un rôle pour le jouer. Non pouvoir de contrôler ou passer de marché avec des institutions privées ou qui pour faire route mais gain une institution qui là pour faire supervision de qualité c'est vrai que c'est pas domaine mais et question faire route même qu'on est que l'on passe au marché on compare qui a fait exécution gain une qui a fait supervision pour qualité de matériaux que on dit on mettre et si ça pas arriver respecter et même compare ça les gon garantie pour le bail avec l'État, que c'est sous 30 ans, 50 ans ou bien 60 ans. Mais même, moi, levé, joindre grand rue, Jean Lier, elles sont en train de jusqu'à présent, elles étaient fermes, bah, ouais, l'État, j'en m'a piécé. Vous voyez, donc, on route qui peut qu'on gagne 15 ans, qui fait, et déjà, il y a un problème là-dedans. Donc, il y a un travail qui n'est pas fait. Et Parlement, tout, dans le pouvoir de contrôle, ouais, comment marcher au passé, qui est-ce qui a un contrat? Au contraire, infrastructure routière, ça, et qui n'est pas arrivé, et respecter délai ou bien durée
et que yo tabac avec l'État haïtien parce que nos marchés, dans le contrat que vous avez signé, que la compagnie ça a signé, d'exécution a signé, faut gagner on garantit sur un nombre d'années X et en dessous de s'il pas arrivé dans la date ça, donc c'est compagnie qui a bien pour le faire intervention sur route ça en termes de réparation que ça t'a dû porter. Et gagnon l'autre institution qui sait faire que l'État fond d'entretien routier qui l'a spécifiquement pour faire et entretien sur route, aménagement. Donc est-ce que institution ça combien comme que rentre par année, combien qui travaille qu'elle fait. Donc toujours est-il c'est toujours rôle parlement dans pouvoir de contrôle yo pour yo capable arriver là vraiment vérifier est-ce que travail ça yo rive fait et qui ça fait que l'on travaille qu'on passe que l'État haïtien passe marcher avec une institution ça pas arrivé respecté et pas des sanctions qui prend à la et sur ça. Parfait. Là maintenant budget a déposé, gouvernement fait job par là, ballon dans pied parlement qu'on y a. Oui, donc très bientôt on passe semaine ça et bureau a bien pour inviter ministre financier pour venir faire exposer et des motifs de budget loi de financement et comme ça officiellement président pour aller pour la commission en financement pour le travail sur le budget en termes de rapport pour le produit un rapport et ben assemblée à au fin de vote. Parfait. Là maintenant et au niveau parlement chambre des députés particulièrement à gouvernement relation toujours très cordiale. Et la Chambre des députés, oui, mal dire le Parlement, oui, c'est que je sache, moi pas ouais, gain de problèmes vraiment. Mm-hmm. Et non seulement en termes de séances qui doit gagner de loi que de projets de loi que exécutif l'ont déjà fait dépôt que et dans deux chambres respectives, que ce soit et à la Chambre des députés et au Sénat. Donc, il y a le travail qui a fait, il y a des différentes commissions qui a travaillé sur plusieurs propositions de loi, de projets de loi, de, pour y faire rapport et que pour produire ben, l'Assemblée pour de vote. Donc, je ne sais pas qu'il y a un problème vraiment entre l'exécutif et le Parlement pour le moment. Parfait. Là maintenant, il y a un Sénat qui vote rapport, commission de charge là. Et 23 personnalités, et on dit 25, il y a deux anciens premiers ministres qui l'ont donné. Vous supposez vous voyez le banon au niveau chambre députée pour recevoir un document. Et si nous avons recevoir, nous avons pas bénéfice de l'objet parce que moi, il y a des ministres qui étaient ministres depuis 89, 90, 94. La commission, ça, je vais dire que question commission bicamérale de décharge ou bien rapport que le Sénat a voté, il y a des réserves que je ne peux pas exprimer pour le moment, sous lui. Même pour dire que c'est des monde qui vraiment tant haut est passé et qui de jouit de prescription la grande prescription que on pas rien était capable faire et que bah au décharge donc le parlement pas fait rien dans ce sens ça ouais c'est une simple formalité c'est le monde qui gagne un an qui a à peine gagné 6 mois ou bien 2 ans 3 ans 5 ans récemment qui était c'est là est-ce que nous travail pour nous bah au décharge parce que bien leur ministre ou bien ou t'es occupé ou t'es comptable de deniers publics et bien greffé d'hypothèque légale qui souligne donc est-ce que nous prenons le travail pour que nous baillons monza au décharge si au mérité bien entendu est-ce que mon politique qui a fait tout dans mitant nous au niveau parlement parce que fort souvent société a toujours condamné parlement qui baille tête au décharge au même au niveau ma bureau qui a pas administré bureau parlement et pour exécutif là toujours il y a de chantage vraiment ou pas jamais rivé bah au décharge même moi c'est membre commission bicamérale de décharge là rêve moi c'est que bah tout le monde qui méritait décharge et l'un connaît que la cour supérieure des comptes dans article 204 constitution il dit qui ça il dit que 30 jours après ouverture session ordinaire. OK? Donc chaque année on dit deuxième lundi mois de janvier 30 jours qui suivent donc la Cour supérieure des comptes supposé produire un rapport by comment budget a exécuté état financier et pays. Ça pas arrivé fait ça pas gain c'est avant hier les rapports la sorti et moi écrit président de chambre et Sénat sénateur Yuri Latortue comme président Sénat et président Scholzer pour me dire que je suis toujours présent
dans toute séance, même pas jamais que rapport ça arrivé en discussion au niveau parlement. Hélène connaît que et monsieur Lindor et la Cour supérieure des comptes, c'est lui-même qui s'est bras technique parlement. L'un dit que nous pral produit des décharges sur gestion et des comptables de deniers publics, mais en fonction de ça, faut que nous, en fonction de qui ça, faut que nous gagnions de rapport ça. Voilà que rapport ça pas jamais produit, pas jamais gagné dans le parlement. Depuis 87, la Cour supérieure des comptes pas jamais voyé. Donc sous mandat PAM, pendant que me député en fonction, moi profiter produit de mandat que nous devons gagner recevoir déjà, et c'est en fonction de ça, de rapport ça, que commission bicamérale de décharge a dû décider. Voyez? Donc pour est-ce que comptable de deniers publics ça dans ministère dans domaine respectif que tu as dépensé l'argent l'état, est-ce que tu es respecté parce que qu'on y a pour le produit des charges ceux qui sont pour le bail ceux qui base parce que j'ai l'impression que ça tourne un véritable blocage pour monde qui ministre par exemple dans le sud-est bon cas et Gérald Mathurin, finalement, il est arrivé à joindre la prédiction Sénat. Par rapport à la prescription que il a frappé. Parce qu'il n'y a pas de document. Il était son aide qui était supposé à l'élection. À plusieurs reprises. Et moi qui travaille, je dis que un collègue qui était Jean-Philippe, qui est sorti dans le sud-est, c'était fait parce qu'il est membre OPL. Il est membre OPL, mais qui est sorti dans un groupe de. Une organisation locale qui vient dans le sud-est, croissant de ce genre, que oublié, après, il a fait une pression sur la commission pour que nous travaillions, pour que nous produisions des charges à M. Gérald Mathurin qui voulait aller au Sénat. Donc, on connaît que ça a porté un peu le blocage. Conseil de citoyens qui mettait connaissance et temps vraiment au service de pays. Et là, il va arriver qu'il y a besoin d'échanges, non seulement pour l'activité, il n'y a pas qu'à vendre bien, vous comprenez, il n'y a pas qu'à faire rien, sinon il est légal, si vous êtes bien sous hypothèque légale. Ouais, donc ça, moi, je pense que nous portons en pile préjudice avec des citoyens honnêtes qui étaient servis pays et commission à travail pour que même monde qui vient de 6 mois, 1 an, qui a peine sous servi l'État pour que le baguette y ait épée d'Amoclès qui pendait sous tête lui parce que le baguette décharge et pour lui et fait ça livrer et pour le disponible pour que choisir l'élection pour l'aller pour le porter le candidat. M'ba quoi ça pral servi de blocage pendant que dans commission ça et surtout moi pral dire que pas gagné en législation pas une loi vraiment qui dit procédure là qui établit procédure pour bail des charges. Donc constitution en dit en gros, mais elle dit que conseil de texte et de article que c'est une loi qui pral montrer comment pour appliquer, m'a dit que pas une loi ça, même Mathias que tout le monde qui était servi l'état depuis que je suis c'est m'pas attendre qu'on t'a servi l'état à un niveau que c'est après qu'on vienne pas dans l'état m'pral dire qu'on t'a volé l'argent l'état. Alors, ce qu'une institution qui l'a, qui pour contrôler, dit, la Cour supérieure des comptes qui contrôlait dépenses publiques, opportunités dépenses. Est-ce que ils ont respecté les normes? Si l'institution ça a failli avec mission, donc ou pas capable, si après parlement Bralvin dit que à tel monde pas bien des charges parce qu'il a dépensé l'argent de l'État. Hein? Mais ce qui sont basés, il faut qu'il y ait un rapport, ça d'abord, qui c'est la Cour supérieure des comptes, qui c'est organe, qui c'est bras technique parlement, produit un rapport, et exécution. C'est pendant un ministre actuel qui a un budget que nous votons Bali. Donc si le budget n'a pas arrivé à exécuter, Jean que l'État doit exécuter, c'est qu'on y a sanctionné. Parfait. ULCC doit intervenir. M'a regardé loi alors c'est un décret m'a regardé décret sur ULCC qui dit quel que soit contrat que l'État a passé avec de marché avec on institution que ULCC doit intervenir pour le bon copier pour le voir est-ce que ça a respecté et pour le suivre exécution projet ça voilà que m'a quoi institution ça j'aime faire malgré que me baille en dépit de crédit que m'a accordé avec l'actuel directeur qui la donne, M. Bourgoin, qui sont anciens magistrats de carrière, on m'intègre. Mais est-ce que l'institution arrive à marcher, genre le marché à vrai, est-ce qu'il y a moyen pour le faire?
ça a beaucoup. Justement, et là, pour ta part de coup de compte, et je pense que c'est au niveau budget à tout, nous, même au niveau du Parlement, il faut nous garder tout qui est crédit budgétaire qui est alloué à coup de compte, qui pourra permettre que, n'est-ce pas, il va faire travailler. Je suis content de M. Dame qui va le faire auditer à plein, par rapport avec ça, bien comme salaire, et vous pourra l'auditer des mouns qui, quand même, a dépensé de gros l'argent. Justement. Alors, auditeur, je suis un pile auditeur vraiment, et de. T'es fait de manifestation et ça t'es porté à réfléchir pour dire que de monde qui a fait dépense de comptable de deniers publics qui a dépensé l'argent de l'État et monde qui pral sanctionner qui pral contrôler des pensions et non manifesté a fait grève pour que yo gain augmentation de salaire. Moi t'es ouais que ça les gon côté qui pas bon la donne. Est-ce que, alors, ça point que m'te oué que employé, surtout te fait, c'est dit que les conseillers ont appris une vie de luxe, ils ont dépensé 70 ou bien 80% de, et 60% de budget, la cour là, c'est conseiller qui absorbe, ils ont même 40% qui viennent jouer une majorité. Non, donc c'était point ça que te fait. Est-ce que le budget a eu même, les mal reparti à l'interne, parce que, la cour, que je sache, je crois que les produits de demande d'augmentation que le fait de plaidoyer. S'il fait, toujours est-il depuis qu'il fait des demandes qui allaient dans de lignes budgétaires qui explicites, qui disent mais qui ça va le faire, je toujours penser que le Parlement a toujours ouais, de côté qui pas mérité comme que bail pour faire des désaffectations. Nous-mêmes, nous capables de faire. Alors, vous me faites une question de charge à député Antoine, et pour Kounia, au niveau commission, hein? Nous pas gagné état d'âme pas que personne monde nous veut bloquer pour nous capable de nous ça qui te servir pays à au niveau bien dans l'autre joindre des charges correctement. Alors on connaît son commission donc moi même m'a bail point de vue personnel que on t'a dit ça point de vue des députés tout. Oui bon yo pas jamais me dire ni si toutefois que yo même yo t'a manifesté de désir que gain de citoyens qui te servir l'état yo voulait bloquer donc moi m'a dit non. Et si un collègue parlementaire, parce que son commission bicamérale, et sénateur et député, si moi que c'est de manière méchante que vous ne voulez pas accorder des charges à un citoyen quelconque, ou une citoyenne quelconque, moi-même, je dénonce le collègue qui a une attitude, ça, parce que ça nous doit gagner, c'est rapport d'audit que gestion, c'est sous lui que nous-mêmes nous allons baser. Nous. Si que rapport défavorable, la cour connaît que qui ça pour le faire. Déjà, elle va même besoin de voir le banon. Voyez? Donc, c'est ça. Moi-même, je vais prioriser que l'objectivité, que mon ali mérite des charges, il n'y a pas de gagner le tout, ou tu dépenser l'argent de l'État, que la loi respecte. 25 secondes, ça a été fait les bénédictions Sénat, je suis un député de réagir. Nous avons l'autre liste à travailler sur celui-là, non? Oui, parce que. Depuis l'année dernière, nous avons fait partie de la commission. Ça, année ça m'a retourné la donne. Tu as déjà eu une liste d'un pile et ministre qui t'a fait partie de lui, mais qui pour arriver, il même pour qu'on ait une prescription, mais qui a des rapports favorables. Par exemple, m'a cité une personnalité que nous avons travaillé sur le dossier, c'est l'ancien premier ministre Jacques-Édouard Alexis. Mais c'était pour première version. Que, comme premier ministre. Comme premier ministre. Donc, deuxième fois que le premier ministre, nous avons un rapport de la Cour supérieure des comptes. Il y a un rapport favorable. Il y a un rapport qui est favorable sur première gestion. Donc, c'est un nom qui était retenu attention parce que moi, je songeais qu'il était venu à l'élection pour question de décharge, il n'est pas privé. A été grand pile problème que est-ce qu'il y a balle des charges, est-ce que le président Prival pral bailler parce que pas comprendre est-ce qu'on songe que t'es grand époque que pour aller à l'élection constitution a dit faut qu'il y ait des charges mais sénat a été un problème mais parlement a été un problème que le pas fonctionnel donc c'est président qui était pris sous responsabilité les bailler mais levé donc qui contraire à la constitution qui contraire donc pas penser que institution capable de marcher selon caprice un président ou pas, et ça se pose là sur le président Mandeli, il y a un pile comptable de deniers publics,
malgré pas de sénat et parlement dysfonctionnel, tu as un sénat à 10 membres seulement qui était là, son tiers sénat qui était là, on se cap dit parlement dysfonctionnel, et président, pas de bail, des charges lui-même. Ouais, donc, quid de salaire minimum, et ouvrier était dans la rue semaine passée, il a dit 800 goudes, gagner des entreprises qui menaçaient pour fermer boutique. Et là, parce que 6 entreprises, et nous, qui ça s'accabaille pour le secteur sous-traitant, au niveau du Parlement, au niveau de la Chambre des députés, qui démarche nous fait pour que CSS apporte du rapport pour finalement, patron à couvrir, mettre d'accord sur le salaire minimum non, pour éviter le problème. Continuez. Excusez-moi, il y a des problèmes, il y a des problèmes au niveau. CSS, la loi sur salaire minimum. Je vais dire pour qui ça. C'est vrai que son loi pour le voter, que tu as pile parlé, monté, descendre, te rappeler que je n'ai pas fait politique active, mais je t'ai suivi et démarche. Mais c'est l'heure que je monte et comme député pendant un problème. Et puis, je mal revisité la loi, je regardé. Moi, son loi qui a 6 articles et maximum, si je ne me trompe pas. Et puis, il me faut une réflexion, petit monsieur. Gardons loi que sénateur Steven Benoît, de 6 articles, manqué fait monsieur le président. Ouais, donc, m'a pensé ça. Et puis, m'a appelé loi, moi, ouais, que j'ai des imperfections là-dedans. Pour qui ça? CSS, moi, pas qu'à mettre que patron, ouvrier, et puis l'État ensemble qui pourrait calculer salaire minimum. Pour qui ça? Non, mais quelle institution qu'il a? Et en termes de. Les gains d'inflation, des mesures que l'État doit prendre, c'est le ministère des Finances, d'abord. Si ministère, d'ailleurs, salaire minimum, c'est déjà, on paraisse de l'État lié, on est capable de toucher 100 gouttes et puis tout bien, on est capable de doter de tout bien qu'on a besoin. C'est question d'inflation. Donc, l'État prend de mauvaises décisions, déstabilisation de gains au niveau de l'État, l'État pas stable, ça crée inflation. Ça crée un coût sur produits de première nécessité que les citoyens ont besoin. Pétrole, gaz, pour prendre une camionnette pour y aller, tout ça vient augmenter la vie chère. Donc, si le ministère des Finances connaît que c'est sous responsabilité, automatiquement que y a une cherté de la vie, c'est eux-mêmes qui a contrôlé les questions macroéconomiques, questions problèmes d'inflation, tout ça. Donc, moi, je pense que c'est le ministère du Commerce, le ministère des Finances, et ministère et affaires sociales, c'est trois institutions ça, qui doit faire partie de CSS là pour question la vie chère automatiquement le monter parce que l'État doit jouer rôle régulateur. L'État pas doit ni pour patron ni pour ouvrier. Donc on pas capable en tant que l'État m'galchita pour une institution qui doit calculer l'État l'elle parler elle doit faire autorité. L'État pas doit que lui dit que selon les chiffres, selon coût la vie, salaire minimum, non, ouvrier supposé passer à 500 gouttes, dans exemple que m'baye, comme ça. Donc, les paroles, il y a de faire autorité parce que c'est de bonne foi en fonction de calcul que tout économiste de nègre qui savait dans la question finance fait. Parce que l'institution, ça, là, pour le placer. Donc, je vais prendre un ouvrier pour me faire partie de CSS. Qui est-ce qui prend le fonctionnement pour institution sacrée, les CSS, ça marche, sont l'autre dépense en plus, oui, alors que 4 ans déjà dans le ministère. Mais parce que Raymond Takadouzou, c'est une bonne occasion pour qu'on véritable dialogue entre patron et ouvrier. Les décisions, vous prenez ça, il ne peut pas déranger personne. Oui, je comprends, mais l'État, de, si l'État, c'est lui-même qui lui doit être au-dessus de la mêlée. Mais non, parce que là, on est dans la rue, problème, pas si pas là, ça a dérangé le fonctionnement de l'usine, patron, il a souhaité qu'on va y faire, ouvrir tout, obtenir une réponse de l'État. Qui sont quoi que tu as fait rapidement là pour faire ça, pas venir plus grave? Qui ça de fait, donc? Moi, ouais, que le gouvernement, la présidence, il était assisté, on t'a suivi dans la nouvelle que. Et CSS est arrivé monter en dépit que nous avons des réserves sous façon que la loi te prévoit même qui doit faire partie de CSS yo, mais il est monté. Donc il y a gain pour produire rapport ça le plus vite que possible pour fixer salaire ouvrier yo. Vous voyez parce que c'est moi aller dans et PAC industrie, c'est ça, industriel PAC industriel là.
mal visiter dans le que et moun yo ap travay. Moi c'est deux monde de même tranche d'âge, surtout en pile jeune fille qui est prêt le travail de pour de misérable salaire voire minimum que yo t'es capable faire l'autre travail surtout. Donc c'est parce que c'est deux monde qui dévoué pour que yo poté on yo contribuer dans l'économie haïtienne. Donc clairement aller dedans moi ouais ça moi observer le absorti travail tout ça quantité de flux de monde. Donc ça a touché moi. OK, comme non seulement comme citoyen et comme père de famille tout ça, que c'est deux monde qui peut aller des matins qui après le travail et bien dû, vous comprenez? Donc on salaire misérable, même penser que l'État doit faire effort pour que institution ça arrive pour du rapport et pour ba moun yo un salaire qui descend et patron et tout et qui gagne des redevances envers l'État, par exemple cotisation que l'État on prend pour Ofatma, pour ONA. Moi écrit tous les deux directeurs ça pour produire pour voir ben moi liste institution patronale auto qui dans secteur et dans secteur ça qui pas payer cotisation que yo ta dû yo prélever taxe sur des ouvriers yo pas verser dans institution sociale ça et l'État lui-même en retour ta dû gain encadrement que le bail avec ouvrier ça ne serait-ce dans question de soins de santé que vous prélevez de frais sur eux, de taxes sur eux, et question locomotion pour aller travail, des bus qui capable là qui prend eux, parce que building yo que mon yo loué, si yo paye l'État chaque année yo même, yo gon cotisa, yo gon cob que yo paye l'État, mais comme ça faut retourner bay moun sa yo qui a travail là et sous forme de service bay yo meilleur traitement, mettez centre de santé en dedans même pour que au niveau et parc industriel yo dans que ce soit à Port-au-Prince ou à Caracol que gagne on sente vraiment que moun yo capable prendre un premier en première soin que yo capable pour diguer aussi au bon problème quelconque. Donc pas gagne question de cantine ou bien m'pa pral dire cantine ou bien dit cafétéria deux grand cafétéria que l'État à travers ministère affaires sociales bay au moins à crédit et couvrir près de 60% de frais ça tout ça tape un soulagement pour secteur ça pour ouvrier yo et leur rive toucher et salaire minimum que tu as dû toucher yo t'a pour que grand pile dépenses que l'État t'est déjà retiré le sur yo ça veut dire qu'il doit améliorer condition la vie yo nous va refermer émission avec regard pour sur caravane changement qui va déployer dans grand sud pays là lancement fait samedi soir mais moi connais que c'est un dossier qui prend président de la République là à cœur. Et question, nous sommes dans une zone agricole, quel que soit le gouvernement qui a fait promotion pour l'agriculture, pour porter de services à bail de l'agriculteur, pour que la plaine, par exemple la vallée de la Tibonite que et caravane, on sait de terre qui pas arrivé et irrigué pendant longtemps, de canaux qui étaient arrivés bouchés, faire du travail, ça arrivé faire des travaux à haute intensité dans zone ça pour que paysans rejoignent moyens et de intra agricole que moi que gouvernement te bail de semences tout ça et c'est un gros bagage donc moi m'encourager pour que si gain des erreurs des pour que au fur et à mesure que y a implémenté le davantage des corrections qui doit porter parce que c'est pour programme qui était là déjà on comprend si à peine c'est président Jovenel qui vient avec initiative là que gouvernement marche là-dedans. Donc a toujours gain des erreurs vraiment qui fait mais c'est au fur et à mesure pour y a corriger côté erreur yo fait et me croit que les caravanes n'ont sorti dans yon département là non l'autre et que gon suivi qui a fait dans zone côté le sorti là parce que me participer dans rencontre avec le président de la République là et qui fait comprendre que toute direction départemental yo a privé doté de engin lou surtout dans question agriculture et dans question ministère de des travaux publics que toute direction départementale ça moi mal dans sud mal dans grand dans cadre commission que m'a présidé avec commission agriculture tout nous te font commission conjointe yon délégation conjointe nous ouais que gien des rivières qui a débordé qui pral prend terre cultivable pour qui ça parce que curage pas fait dans rivière yo attend donc et l'on rencontré avec directeur départemental ça yo dit que yo pas gain de engin lou matériel qui pour permettre que yo fait curage
pas gagner et les la puis tomber non seulement le prend terre cultivable il prend la toute production qui gagne. Donc on pense que c'est un bon bagage, non seulement c'est fait pour caravane dans continuer ce côté qui gagne pour porter correction ou lever ça non. Oui, parce que moi-même, je ne suis pas allé sur les lieux, mais je entendais quelques monde qui plaignaient que, par exemple, d'attendre une émission que une station sœur a fait dans une zone bien respective. C'est vrai qu'il y a plusieurs communes qui bénéficiaient, mais ils allé dans une zone très bien spécifique qui a dit que la qualité et dans la route agricole, la qualité matériaux que ont fait, là, puis tomber, c'est la boue. Donc qui ont pas mettez de matériaux vraiment qui convenable qui capable même laisser en route agricole mais même les appuis tomber que mon yo capable circuler vaquer à occupation librement. Donc c'est déjà une imperfection dans ça même penser que responsable caravane a implémenté projet à davantage côté qui méritait de correction pour faire. Donc moi m'attends impatiemment caravane dans l'ouest parce que Kinskoff c'est 40% de denrées paysans qui arrivaient écoulés sur le marché et local ou bien et national je dirais parce que il y a des gens qui sont au Cap qui viennent acheter légumes Kinskoff mais ils étaient capables de joindre plus paysans étaient capables de produire plus là ils produisent pas une route vraiment pour machines arriver qui bail accès pour venir prendre produit ça donc moi m'attends que caravane dans l'ouest et pour le monter Kinskoff donc moi encourager le dès demain et me porter support avec le ministère de l'agriculture, tout ministère qui doit travailler, qui doit jouer une mission, qui doit jouer un rôle dans la question caravane. Merci un peu le député Alfredo Antoine Junior, c'est un plaisir de vous recevoir matin sur TNH. C'est moi-même qui remercie M. Lindor, c'est toujours un plaisir pour me participer dans l'émission ça, et m'a profité de remercier tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui ont suivi l'émission Mise au Point, et surtout Moun Kinskoff qui toujours branché l'émission ça. Voilà, notre invité ce matin, M. Alfredo Antoine Junior, député de Kinskoff, c'est avec lui, de faire brasser l'idée ça. Merci à Pile d'être avec nous en direct, parce que nous passons une très bonne journée, si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée, bonne semaine, à bientôt. Merci. Suivez du lundi au vendredi, à partir de 8h du matin, sur la Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Mise au Point. Mise au Point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse, qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point.